championnat de l'Union européenne qui a commencé pour nous là, de façon activité mondiale européenne, c'est juste incroyable. Un combat entre l'Indien et Vincenzo la Femina, avec son invaincu en disque qui croit ses champs et il a amené je dois avouer qu'il fait le folklore. Là, c'est clair qu'il anime la salle. Voilà. Ils sont 35 supporters castellés. Ah, ils sont plus. J'ai l'impression qu'ils sont plus que ça. Ce titre EBU des poids supercoq dans le coin bleu, il nous vient d'Italie, il a boxé 12 combats, il a 12 victoires dont 6 KO, Vincenzo La Femina, 28 ans, 31 du sud de l'Italie, ils sont tous venus, même ceux du sud d'Italie, il manque juste que Giorgio le fils maudit. Fait. Mais on entend aussi les supporters de Guerra Meloen. Alors Guerra Meloen, c'est un autre palmarès, c'est 9 victoires, 4 défaites. Mais il a toutes ses défaites à l'étranger et surtout il est allé chercher son titre en France. Allez, on est parti dans cette catégorie des supercoqs. Limite 55 kg 338, les deux boxeurs ont été posés sous la limite. C'est parti. Première reprise. Le championnat n'a pas eu peur avant lui hier, parce que Guérin est arrivé à la ligne du terrain réglementaire. Il est arrivé à 3 minutes du terrain réglementaire de la PG. Ah, si comme moi il s'est perdu dans les alentours de Skepdal et Lilov, effectivement, il a fait. Il a détruit dans la limite du temps. Il a engagé. Et Lilov, qui vient de l'équipe, il bougie, je pense, à se calmer. Alors, clairement, la Femina. Il est passé par le BAB également. Oui. Et par le. Le one-to-one également. Le one-to-one. Le combat avec Kouma Gengé, que notre cher ami Kouma Gengé. Le regretter, Jean-Kouma Gengé. Alors là maintenant, clairement la Femina a décidé de mettre directement la pression sur Eloyan. Bon, Eloyan, c'est pas le genre de boxeur à se laisser impressionner. Mais. On a le sentiment qu'il y a une différence de gabarit entre les deux boxeurs. Il a l'air vraiment beaucoup plus puissant ce Vincenzo La Femina. Ouais, 12 rounds de 3 minutes. Ah là, surtout avec le temps qu'il fait là et cette chaleur. 12 reprises de 3 minutes, il va falloir les tenir. C'est d'ailleurs pour un titre régional, parce que la titre européenne régionale, par rapport à la titre mondiale, il faut savoir que le titre européen est le seul titre qui se joue toujours en 12 coups de 3 minutes. Ah, pour le moment, c'est très partagé. Hein. C'est très partagé. Je dirais que. La Femina boxe beaucoup plus en puissance et Guerra a des coups beaucoup plus déliés, plus rapides. Mais Guerra est également un boxeur de feu. Je regarde chez les tripes. Alors ces deux boxeurs sont deux boxeurs qui frappent fort. Par contre, c'est impressionnant la différence de gabarit. Oui, clairement, clairement. Parce que là, on a déjà une ou deux catégories par rapport à la
Je vais trouver Dragou. Je vais être honnête avec vous, j'ai donné ce round à la Fémina parce qu'il a été plus actif. Bon, on est quand même toujours qu'au premier de 12. Voilà, tu peux donner peut-être. Moi j'aurais donné à Guérin, mais je pense que je suis un peu chauvin. Vous, qui peut vous soupçonner de ça? Allez, on est prêt pour la deuxième reprise. C'est parti. Deuxième round de ce championnat de l'Union européenne de principe en Balkan qu'on a prévu en 12 jours de 3 minutes. Le tournoi de la championnat du monde, c'est juste énorme. Pas mal ça, le piston du gauche d'Eloyan. Eloyan qui a également perdu du poids. Hein. On l'a connu à 60 kg et là maintenant il boxe. Et il faut se demander si ça perd de poids, parce qu'à ce point-là, 3 kilos, c'est énorme, ne l'a pas un peu affaibli. Ah, il boxe très bien en tout cas. Et il est puissant, il est puissant. Il a les armes pour les mettre en difficulté. Il faut juste qu'il arrive à se mettre dans ce combat, comme il a fait déjà à l'étranger. Là, il est reculant, mais tous les coups qui vont avancent. Je trouve que la Fémina est vraiment très actif et qu'il met une véritable pression sur Eloyan. Il n'a pas encore éprouvé. En tout cas, on sent un puissant chez la Fémina. Bataille. C'est une guerre qui se lit de deux boxeurs. Oui, Eloyan a touché. Et on est qu'au deuxième round. Accroché maintenant. Ce garçon est un. Et on est qu'au deuxième round. Voilà, il va peut-être faire douter la Fémina. Le sort a vaincu pour le moment. Mais il dit malheureusement que son troisième combat. Il livre son troisième combat. Allez, gars, tu peux le faire. Alors ce round-ci va clairement à Eloyan. On est pour le moment à égalité. C'est un vrai chemin. En tout cas, c'est plaisant de pouvoir donner de la boxe de chez nous pour vous. Vraiment. C'est plaisant de pouvoir donner de la boxe de chez nous pour vous. Ah oui, ah clairement. D'abord, c'est notre passion, la boxe, donc, effectivement. On a passé clairement plus qu'à moitié de notre vie dans la boxe. Sur le ring, carrément. Vous avez été même brièvement sparring partner, non? Oui, tout à fait. J'ai été votre testeur. Allez, on y va pour la troisième reprise. Vous avez passé le test avec beaucoup de vie. Je vous remercie. Vous parlez d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Allez, c'est parti pour la troisième reprise. Avec Maurice Dabo dans le corps,
Ah, n'oubliez pas Patrick Gumbo aussi. Patrick Gumbo, notamment avec André Hunter. Exactement. Le gars qui est ici à la base d'un club tricolore à Bruxelles. Le boxing club en direct. Et qui a transité par le blessé en direct. Il y a eu d'avouer que les gens ne parlent pas de la boxe. Pas encore assez entendu, mais il le sera. Je vois que notre ami le Pechman vient profiter de nos commentaires. Pourquoi pas finalement? On commente pour tout le monde. Ah là, il y a Eloyan qui prend le dessus. Ah oui, ça va vite là. Et là, il y a un bel échange de coups. Oui, bien. C'est trop bien ce qu'il fait. Ah ouais, c'est un combat. C'est un combat qu'on aime. On est qui? Il y aura du rat. Ils ne pourront pas aller au bout des 12 rounds comme ça. Ce ne sera pas possible. Si c'est possible, le coup, ce sera de savoir. 12 rounds. Vous condamnez une guerre, 12 rounds, c'est le temps de guerre. Allez, Guérin, fais reculer ton adversaire. Fais-le reculer, tu es capable de le faire. On sait tout que tu sais travailler au corps. Ah, c'est beau ça, ce crochet suivi d'un percu du gauche. On pourrait lui dire, Guérin, le corps ne te focalise pas. Je pense qu'on peut lui dire ce qu'on veut, là, il n'entend plus rien. Je pense que c'est son instinct qui le pousse. Maintenant, c'est une vraie guerre pour se mettre le plus comme ça. Ah là, c'est clairement à tout haut niveau. Guérin Benéloyan. Ils seront plus pour plus. Effectivement, ça. Effectivement. Il réplique bien notre ami la féminin. Réplique avec beaucoup de bravoure et beaucoup de d'ingéniosité de la côté de l'âme. Quel beau championnat. Quel beau combat, franchement. On vit un championnat européen intense, magnifique. Ah, c'est beau ça. Oui, oh. Oui, Guérin, oui, c'était beau. Ne t'arrête pas là-dessus. Je vous avoue que là j'ai un peu perdu le compte. Je ne suis pas allé. Là, on n'a pas. Je pense que Pierre, tu devrais aller jeter un œil et tu les pointages. Je vais mettre mon propre pointage, je vais mettre 9-9. Et non, passe au-dessus. Hors de question. Hors de question. J'y vais à ta place. D'accord. Acharnés, qui sont en train de croquer.
sondé le buffet à Yorki Vincenzo. Ah, on vit une très belle soirée. Hein. Dit, on vit une très belle soirée de la boxe. Et Blondering, qui est dans une arrivée très attentive sur les résultats de son concert. J'ai presque le sentiment que les images parlent d'elles-mêmes. Ah, mais là, là, la féminin met une grosse pression sur elle. Mais Guérin revient. Mais Guérin revient. Il réplique. C'est un combat de guerrier. Ah, ça, c'est un combat qui va laisser des traces, je peux vous le dire. Ça, c'est un combat qui laissera des traces. C'est un combat. Ah, où je sens ça. Magnifique. C'est chacun à son tour. Oui, Guérin revient bien. Passe à son chapeau. Magnifique. C'est un combat qu'on est en 12 rounds de contre-midi depuis le pas. Je... Là, ouais, mais là, tout le pronostic vole en éclat, on ne se rend plus compte. Hein. C'était les roules des champions, les roses de l'église. Regardez le travail de Guérin, là. On s'accroche très peu. L'arbitre intervient très peu, naturellement. Et c'est reparti. Fin de cette quatrième reprise. Je vais la donner à Guérin. Moi, je serais un peu plus sceptique sur le pointage. J'ai une main nulle. Mais quand je mets un round nul, moi, je le mets en faveur de l'adversaire. Donc, je vais dire 9-10. Donc, on revient à un pointage de. À l'entame de la fin du quatrième round, je pense qu'on est sur un pointage. À la même moment, j'en suis à 36-38. Ce round là, il pourra en deuxième partie de combat revenir, mais là pour le moment il va devoir qu'il gérer la puissance de la féminin, parce que la féminin ça va très fort. Allez, continue. Je pense qu'il va rentrer ses hypercutes au plexus. Bah écoutez, il essaye, tant tout. On l'a marqué, hein, que la féminin était vraiment très très puissant, extrêmement puissant, et que le boxeur italien vraiment confiant. Ouais. Vraiment confiant. Oui, mais il est extrêmement puissant. Et ça clairement c'est un avantage. On voit bien sa stature.
il est difficile à bouger. Et c'est extrêmement éprouvant pour Yeram. Alors même si pour le moment le pointage est... Oui, il fait des belles choses, mais il se fatigue. Il semble un peu... Oui, il se fatigue. Je pose un peu... Attention. Ça... Ah, quel combat. Là, il n'y a pas de problème. Je veux dire sans discussion. Alors, on regarde un peu là. La Femina est bien éprouvée aussi. Allez, on espère que Maurice Naveau va trouver les mots pour lui remonter le moral et surtout pour le pousser vers un exploit. Il reste encore 7 rounds, 7 reprises à Yeram. 7 reprises pour aller chercher. C'est vraiment ceinture. Non, on n'est pas encore en demi-combat. Et voyez dans quel état sont les deux boxeurs. Je pense effectivement que la deuxième partie de combat va être épique. Épique. Car ils ont déjà laissé beaucoup d'énergie. Pour la sixième reprise. On va bientôt arriver à la mi-combat. Et les supporters de Yeram se font entendre dans les tribunes. Et il accepte certains coups, hein, la Femina, pour pouvoir les piquer derrière. Et c'est vraiment dur. Comme je vous le dis, c'est lui pour moi. Qui intervient parce que la Femina a tombé. Bah, c'est aussi un truc, accrocher son adversaire et puis un peu poser dessus, ça le fatigue. Ouais, boxe. Qui vient toucher le yen en mais il se remet très vite en droitier. Oula, quelle droite là, elle est passée. Elle est bien passée. J'aimerais pouvoir maîtriser l'italien et je vous traduirai ce que dit le coin. Mais malheureusement, il paraît que j'ai un accent affreux en italien, donc je vais m'en tenir au français ou en néerlandais. Ah, Yeram ressort. Ah oui. Côté tempérament, il n'y a vraiment aucun souci à se faire. Yeram, c'est un vrai guerrier. Il l'a déjà prouvé. Et je suis certain que si l'occasion se représente, il le montrera encore. Mais il a en face de lui un boxeur. Ah oui, qui va vite. Qui va vite et qui va fort. Qui est certain de venir chercher la ceinture. En tout cas, il est décidé à ne pas partir sans. Et il est actif. Et je me lance. Oh, ouais. Et je vous rappelle que l'on parle de garçons de 55 kilos. Imaginez-vous un peu le même combat au poids lourd. Ah, et la Femina, il revient bien, hein. Derrière chaque attaque, il place une contre-attaque et il revient bien. Alors là, je suis vraiment partagé. Je pense que je vais la donner à la Femina celle-là. Je suis tout à fait d'accord avec vous.
amusons-nous entre nous. Je pense que Guérin, s'il perd le rouge, c'est vraiment la plus petite des. Bah, écoutez, au pointage, mon pointage, il est mené de 2 points. Je pense que ça va faire. Allez, c'est la 7e reprise. On est dans la 2e partie de combat maintenant. C'est maintenant. Ah non, c'était un problème avec les bandes. Avec les bandes protectrices. C'est vite fait. Hop. Allez, on voit que ce sont des pros. Belle réaction. Oui, ça, il a pu en profiter pour un peu récupérer. On entame les 6 derniers rounds de ce championnat de l'Union européenne. Oui, il bloque d'autres champions. Une belle gauche aussi au corps. Il est capable d'aller chercher cette victoire. Ils sont tous les deux capables. Il est légèrement mené à mon sens. Son adversaire est sûr de lui. Ah, son adversaire, c'est un vrai guéri, hein. Ah, il est clairement venu et c'est pas pour faire de la figuration. C'est un peu plus partagé. Ah, c'est maintenant que Guérin doit refaire son retard. S'il en a la possibilité, s'il en a surtout la capacité, car c'est éprouvant ce qui s'est passé. La pression, magnifique combat de Guérin, magnifique. Et il est un petit peu sous pression. Et il a essayé d'avoir. Que vous menez le combat, que vous pressez Guérin, qui est venu lui mettre la pression dans tous les roues. Et il va comment encore vite des bras, la Fémina. Il est venu pour faire son combat et il est venu pour chercher la ceinture. Il n'est pas venu pour faire juste son combat et faire ses rounds, il est venu chercher la ceinture, c'est clair. Et on voit bien la différence entre ces combats titre en jeu et les combats sans titre en jeu où les adversaires venaient parce que voilà, on les a appelés et qu'ils venaient faire le combat. Mais là clairement. Oui, quel bon goal, Romero. Vas-y Guérin, pousse, fais le reculer, c'est ça qu'il veut faire. Magnifique. Ah, quel combat. Ah, quel combat. Je donne ce round-ci à Guérin Meloyan et à mon pointage nous en sommes à 66-67 en faveur de Vincenzo La Femina. Un point d'avance donc pour le boxeur italien, mais il reste 5 reprises, largement de quoi résorber son retard pour Guérin Meloyan. Allez, on est parti.
penalty, c'est la 8e reprise. Alors qu'Avant Frais est entré dans la salle, Avant Frais bienvenu. Et c'est terrible, ce combat repart toujours, toujours sur les chapeaux de roue. Et directement un beau crochet gauche à la face de Guérin. Finit par un crochet gauche à la face de la Fémina. Et toujours des échanges très disputés entre les deux boxeurs. Ah, on s'accroche un petit peu. Et ça va devoir commencer à travailler de près. Et il est quand même fatigué, Guérin, mais il est quand même fort éprouvé. Il est fort éprouvé. Et il reçoit un avertissement verbal de... Oh ! Un beau crochet ! Beau crochet gauche ! Beau crochet gauche en contre de Guérin qui malheureusement n'a pas pu suivre. Et la Fémina directement vers dessus. Ah, attention là. Il est sous pression. Alors là, c'est la grosse pression des deux côtés. Les deux hommes sont sur les talons. Les crochets gauches sont passés de part et d'autre. Ah oui, là, il a fait une année vraiment difficile. Mais c'est un guerrier. Quel combat! Il revient toujours avec deux ou trois crochets derrière. Il est rapide, hein. Il est rapide. Ah, oh, c'est rapide, bras. Je crois que c'est fini. C'est fini. C'est dangereux. Non, c'est fini. Et on a jeté les poches. C'est fini. Superbe combat, rien à dire. Oui, il a deux superbes crochets gauches, alors qu'il venait de marquer des points. Il n'y a rien à dire, la Fémina a mérité ce point. Ils n'ont pas immédiatement jeté, ils ont d'abord compté. Et je pense que le compte était superflu parce qu'on voyait clairement que Guérin n'avait pas récupéré. L'arbitre a voulu lui laisser une chance. On n'a pas vu que Guérin... Mais nous, en tout cas, de notre point de vue, on voyait bien que Guérin n'était pas stable sur ses jambes. Et ça s'est avéré vrai parce que dès la reprise, il a pris un crochet et il est retourné au tapis. En tout cas, je pense qu'il n'y a rien à dire. C'est énorme, effectivement. Et c'est une victoire féminine. Mérité pour Vincenzo la Fémina, allez, je vais aller. Mérité. Il n'y a rien à dire.
pas content, tu vois, mais t'as brouillé. Effectivement, le genre de combat dont on se remet difficilement parce que d'abord physiquement et puis mentalement aussi. Mentalement. Voilà,
mais je pense que Guérin Méndez est un gros mental. Il a quand même été chercher sa ceinture en France. Oui, tout à fait. Il a été gagné en France et c'est un bon boxeur. Donc voilà, il a tout. Il a la technique, il a tout. Mais à mon avis, c'est le poids qu'il a tué cette fois-ci. Voilà. Est-ce que vous pensez qu'il y a encore une grande différence entre les boxeurs du top belge et les boxeurs du top italien, français, des grandes nations? Parce que généralement, on est battu par ces boxeurs-là. Est-ce qu'on peut encore combler cet écart entre ces boxeurs du top belge et ces boxeurs du top des grands pays? Oui, mais il faut se rendre compte que l'Italie, la France, l'Espagne, l'Angleterre ont beaucoup plus de boxeurs que nous. Donc automatiquement, ils ont beaucoup plus de grands boxeurs que nous autres. Maintenant, nous autres, la Belgique, pour un petit pays, on est parmi les meilleurs de l'Europe. Je ne dis pas, mais on est dans les 10 premiers. Donc c'est pas mal, hein, vraiment bien. Hein. Ça veut dire qu'on fait du bon boulot alors. Du très bon boulot, oui. Ça, on n'a rien à dire. Est-ce qu'on a dans le futur quelqu'un pour succéder à Guérin Méndez, à Femke Hermans? En tout cas, au sein de la Ligue francophone de boxe, vous voyez des futurs champions en devenir? Bien sûr, j'en ai 3 ou 4 certains qui vont exploser, que ce soit des professionnels ou un amateur. Et je pense que le professionnel en Belgique, ils sont bien soutenus parce que nous avons quand même 3 ou 4 grands organisateurs. Et ils sont bien. On a encore Pantera qui va faire un championnat du monde à Miami le 22 juillet. Donc voilà, on a encore des réserves, croyez-moi. Il y a encore des belles perspectives pour la boxe belge et pour la Ligue francophone de boxe. On vous remercie, Président, et on vous revoit tout bientôt. Merci.